Bonjour les fans de Pokémon, comme vous avez pu le remarquer dans le titre, je vais vous montrer des cartes de la série Néo, que malheureusement, j'en ai pas beaucoup touché mais quand j'étais gamin. C'est une série que j'adore, mais j'ai pas pu en toucher. Dommage, j'ai ouvert dans ma vie qu'un booster de Néo, et c'était des Néo Genesis. Et j'ai eu pas mal de chance, parce que dans ce booster-là, j'ai chopé un Steelix holographique. J'étais super content. Donc, alors, pour commencer cette vidéo, je vais vous montrer le petit tas de cartes que j'ai acheté pour pas trop cher. C'était vendu en lot. Alors, c'est principal. Oui, c'est que du Néo Destiny. Alors, il y a beaucoup de doubles. Hein. Mais pour le prix. J'ai pas hésité. Alors on commence par un petit Kikli. Hop, j'en ai trois. Après un petit Malos. Fenard lumineux. J'en ai quatre. Des dresseurs, amplificateur d'énergie, c'est des cartes que j'ai jamais vues ça. Amplificateur d'énergie, loop, un joli petit Scarino, du roudoudou, l'attaque pousse-toi de là. Un Togepi en pâte à modeler. On dirait de la pâte d'amande, on a envie de le manger. Hop, j'en ai trois. Oula. Et j'ai oublié de dire, elles sont totalement neuves. Le vendeur dit qu'elles sont sorties directement du booster. Ammonita Obscure. Un Macogneur lumineux. Un sécateur, j'en ai trois. Lanturne lumineux. Et on finit par Mimitos. Dans l'eau, il y en a sûrement que je vais vendre. Mais pas tout de suite. Alors, pour la suite, je vais vous montrer une petite holographique que j'ai chopé sur eBay. Voilà, un petit Togepi holographique, première édition de Neo Genesis. Super joli, en bon état. Il n'y a pas trop de bords blancs, ça va. Très content de cette carte, d'avoir chopé cette carte. Voilà. Pour le fond de cette vidéo, je vais peut-être en parler plus tard dans une autre vidéo. C'est un magazine qui ont montré pour la première fois la deuxième génération de Pokémon. Comme vous pouvez le voir, les dessins ils sont pas comme aujourd'hui. On voit qu'ils ont un peu des têtes bizarres. Regardez le Azumarill là-bas, il a une drôle de tête. Hein. Hop, ça va pas. Voilà. Le Celebi aussi. Ouais, c'est que c'est les premiers schémas de la série, de la deuxième génération. Voilà, on va rester sur ça. Alors pour la suite, hop là, deux decks Neo Destiny Lumière scellés. Content de les avoir. Je sais pas si je vais en ouvrir un, je crois pas. Mais j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il y a dedans.
En tout cas, pour les cartes, je sais ce qu'il va y avoir dedans parce que je vais vous ouvrir un paquet scellé, mais qui était, enfin, que j'ai acheté comme ça, qui était déjà ouvert. Donc on va l'ouvrir. Hop là. Alors, où est l'ouverture? Elle est devant. Je chope ça pour pas cher. Donc, pour éviter d'ouvrir un deck scellé, j'ouvre ça. Un qui était déjà ouvert. Alors. D'abord, on va regarder le contenu du deck lumière. Alors, il y a des cartes combat et des cartes eau, de type eau. Moi, jamais dit combat, moi c'est toujours dit terre. Alors, relevez votre pouvoir secret. Le deck à thème Pokémon Néo Destiny. Oui, Destiny. Destiny révèle le maître Pokémon qui est en vous. Puis dans votre réserve secrète grâce à certaines des plus puissantes cartes de l'extension Pokémon Néo Destiny, parmi lesquelles les nouveaux Pokémon Obscur et Lumineux. Lumière, vous brillez face à votre adversaire en l'affrontant avec le deck à thème Lumière. Alors, ce deck contient 28 cartes énergie, 22 cartes Néo Destiny, certaines en plusieurs exemplaires, 2 cartes Néo Révélation, ah, il y a des révélations dedans, certaines en plusieurs exemplaires et 8 cartes Néo Genesis. Ah, c'est bien ça. Certaines en plusieurs exemplaires, soit au total 60 cartes. Ce deck est destiné à jouer au jeu de cartes à jouer. Oui, bah oui. Destiné à jouer au jeu de cartes à jouer et à collectionner Pokémon. Si vous êtes intéressé par la question. Nous vous conseillons de vous tourner vers les boosters de 11 cartes complémentaires Pokémon. Ben j'aimerais bien. Alors dedans, comme je tombe, c'est un petit Lugia. Il faudrait que je le chope. Que je chope ailleurs tout seul. Parce que j'ai vraiment pas envie de les ouvrir. Alors dans cette boîte, vous trouvez 60 cartes dans le graphique, cartes de Pokémon, des marqueurs de dégâts, marqueurs multifonctions. Jamais vu ça. Un marqueur poison, un livret de règles, une liste de cartes. Chaque joueur doit avoir un. Oh, ça, on le sait. Allez, c'est parti pour l'ouverture du deck. Hop là. Ah. Là, la fameuse holographique Azumarill lumineux. Super joli. Alors c'est parti pour voir ce qu'il y a dans le deck lumineux. Une baie. Ah, c'est en vrai. En Néo Genesis. Maril, Néo Genesis. Otaria, Néo Destiny. Hop, un match-upper lumineux. Un Machoc. Oh non, c'est des cartes que j'ai déjà. Dommage. Scarplan. Champ d'élevage Pokémon. Ah, Lamantine lumineux. Super, je l'avais pas. Énergie. Poudre soin. B. Machoc. Machopper lumineux. Otaria. Marill. Scorplan. Poudre soin, énergie eau, Kikli, ah bah tiens, Otaria, Lamantine lumineux, et champ de l'âge Pokémon, Scorplan, Machoc, Maconnier lumineux, Marill, Otaria, Kikli, B, Scorplan, Machoc, Marill, et voilà. Voilà ce que contient un deck Néo Destiny lumineux. Lumière, pardon. J'adore cette carte. Dommage qu'il est en pâte à modeler. Bon, j'espère que cette vidéo
vous a plu. Alors, je mets ça là pour faire joli. Là. L'optimimitos. Et le Tortank. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine pour une autre vidéo. Salut à tous.